Meghan Markle et le prince Harry ont partagé un moment très privé avec Kate le jour de son anniversaire cette année, a-t-on affirmé. La duchesse de Cambridge a célébré son 40e anniversaire dimanche dernier, le 9 janvier, comme une petite affaire de famille dans le domaine dans May Hall du prince William avec sa famille et ses amis. L'expert royal, Christopher Anderson, a déclaré, ils ont passé un appel vidéo. Ils lui ont souhaité un joyeux anniversaire. C'était très privé. Harry et Meghan n'étaient pas sur le point de publier quoi que ce soit comme ils l'ont fait il y a 2 ans. Le duc et la duchesse de Sussex avaient auparavant affiché leur affection pour Kate, mais la dynamique de la famille royale a changé, a ajouté l'auteur de Brothers and Wives, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, et Meghan. Il a dit, cette fois, tout est resté privé. Confirmation de la prochaine apparition du prince Harry, Duke discutera d'une cause proche de lui et de Meghan. La première apparition du prince Harry de l'année a été confirmée alors que le duc se prépare à discuter d'une cause qui lui tient à cœur et à celle de Meghan le mois prochain. Le 3 février, le duc de Sussex, 37 ans, participera à un événement virtuel avec BetterUp, une start-up en santé mentale fondée en 2013. La start-up basée à San Francisco propose un coaching professionnel et personnel via son application mobile pour aider les gens à vivre une vie plus significative et dynamique avec plus de clarté, de but et de passion. Harry a été embauché par le corps l'année dernière et travaille en tant que chef de l'impact. Le duc et la duchesse de Cambridge remercient le public pour leur souhait d'anniversaire. Le duc et la duchesse de Cambridge ont remercié les membres du public pour leurs aimables paroles après le 40e anniversaire de Kate. Le message disait « Merci pour tous vos vœux d'anniversaire très aimables » et à Paolo et à la National Portrait Gallery pour ces 3 portraits spéciaux.